Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et vous connaissez mon amour pour les vêtements, sauf que là ça a été un peu trop long. Hello, hello, hi, un salut. C'est un mess. C'est plus possible, on peut pas continuer comme ça. Il y a quelques mois, j'ai emménagé dans cette nouvelle maison et j'ai installé ce dressing. Sauf que j'aime beaucoup trop faire du shopping et les vêtements s'accumulent, ça va plus du tout. Donc je vais vous embarquer dans un gros rangement et un aménagement complet de mon dressing. Et on va faire plus de place pour pouvoir faire plus de shopping. Non, ça c'est un cercle infernal. Bon, comme je vous ai dit, j'ai beaucoup de rangements. Mm-hmm. Objectif numéro 1, ranger tout mon bazar. Et objectif numéro 2, optimiser mon dressing. Il y a certaines choses que j'ai peut-être oublié de faire. Peut-être visser la poignée de ma porte. Erreur numéro 1 quand tu portes que des jupes, ne pas mettre d'endroit spécial pour les jupes. Ça, c'est mes jupes. Du coup, je vais démonter tout ça et je vais mettre à la place un rack spécial pour mes jupes. Ça va être du taf. Oh my god. Non mais là, ça va pas du tout. On a le level 1, vêtements avec étiquette, mais là, des vêtements emballés. J'étais en train de ranger tous mes petits vêtements comme ça, les mettre sur cintre. Et en fait, je me suis rendu compte que depuis 10 minutes, je faisais ça. C'est rangé. N'empêche, si je fais une tour de vêtements, je vais peut-être y voir plus clair. Je vais faire une tour de vêtements. Tadam. Ouais, je sais pas trop si c'est une solution. Bernadette a ses chaleurs. Elle miaule comme jamais. Ça va probablement être la bande-son de toute cette vidéo. De quoi je pourrais me séparer? Le problème, c'est que tout ce que je commande est fabuleux. Doux. Petite chemise Burberry, je l'aime trop. Je l'ai pas souvent mise par contre. Je peux faire des faux outfits avec ça. Oh, how cute. Un de mes seuls t-shirts actually. Il est trop joli. Ok, mais le but est de se débarrasser de deux choses. Il y en a certains qui travaillent plus que d'autres. Je vais ouvrir une troisième chaîne YouTube qui va s'appeler Romy Mécano. Oh, ça va être fucking chiant. Oh. Mais ma flemme est gigantesque. Première moitié enlevée. Je me sens hyper badass avec ce truc. Je viens de retrouver ça. Je sais pas ce que c'est. C'était coincé derrière. J'ai aucune idée de ce que c'est ce truc. Ok. Oh my god, je l'ai jamais porté. Est-ce que mon dressing est magique? Ou est-ce moi qui suis excessivement bordélique? Installons maintenant un rack pour mes jupes. Nous faisons une cabane. Tadam. Maintenant, il va falloir mettre tout ça dedans. Je veux sincèrement me débarrasser de certaines de mes jupes. Le problème, c'est que j'ai toujours une excuse. Soit le motif, je le porte plus, mais je me dis que je vais finir par le porter. Soit elle est trop petite et je me dis, tu sais quoi, tu changes de poids tous les 3 mois, donc attends. J'arrive à me dire, check, je vais la garder parce que je vais changer de poids d'ici 3-4 mois, je change tout le temps. Mais non, Roman, tu es dans le déni. Tu as un big bully et ça ne passera jamais. Absolument jamais. Hein? Elle va tellement bien fitter avec mes outfits que je vais jamais porter. Waouh. Oh my god, mon dressing m'a fait un nouveau cadeau. Je viens de redécouvrir cette petite jupe. Elle est trop mignonne. On dirait un petit emballage cadeau. Et je rentre dedans, c'est merveilleux ça. Il y a des jupes que j'ai juste arrêté de porter parce qu'il manque genre un bouton. Alors que j'ai gardé tous les refills de boutons. Faudrait que je fasse un petit atelier couture. God, Roman, mets-tu encore ça? J'ai envie de me mentir à moi-même et dire oui. Ok, mais j'ai pas encore retiré un seul vêtement de ma garde-robe, ça va pas. Il faut que je fasse un choix. Est-ce que je l'ai déjà porté les 6 derniers mois? La réponse est non. Ai-je une idée d'outfit pour cette jupe? La réponse est non. Ça part. Goodbye, honey. Oh my god, peut-être que vous vous souvenez de cette jupe. Pour ceux qui sont là depuis longtemps, j'ai porté cette jupe sur une de mes toutes premières vidéos YouTube. So much memories, c'est tellement une jupe de princesse. Je sais absolument pas dans quelle occasion je vais pouvoir la porter, mais bon, pas besoin d'occasion pour avoir l'air d'une princesse. Restez hydratée. Oups, j'ai cheers avec mon miroir, mais j'ai failli le briser. Petite astuce pour vos jupes beaucoup trop petites, faites-en un petit top. Tadam. Avec un nœud, boum, ou bien une petite cape. Pour l'hiver, pour finir le look d'une robe. J'avais découpé cette jupe, à la base elle était longue, sauf que elle a jamais été très droite en fait. Ok, ça va dans l'atelier couture. Que je ferai probablement jamais. Cette jupe a un atout caché. Devinez lequel? Indice numéro 1. Indice numéro 2. Indice numéro 3. Et oui, vous l'avez deviné, elle est en carton. Je pense qu'il va me falloir à peu près 20 kg d'assouplissant pour la ramollir cette jupe. Mais elle est vraiment mignonne, elle donne un petit vibe Alice au pays des merveilles, je trouve. Mais où est le lapin assouplisseur? J'ai rendez-vous avec le président de la Russie, monsieur Krutanov. Est-ce que j'ai pas l'air d'une présidente de la République il y a genre 30 ans?
La patrie aurait été dans de beaux draps, je vous le dis. Un grand homme disait, les rappeurs m'envie sont tous en galère, un jour de leur salaire, c'est mon assurance vie. Bon guys, il se passe quelque chose d'extrêmement grave. Le haut me va, mais pas le bas. Dilemme, dilemme. Ça va super bien avec une petite jupe blanche. Ok, mais là, il faut que l'été arrive maintenant. Please. Si je fais une danse de l'été avec ça, vous pensez que l'été va arriver? Pas avec cette danse en tout cas. J'ai envie de gambader dans les champs. Bernadette, elle a envie de gambader sur un maximum de chats. Ma boulette, elle a envie de kien. Ok, je vais m'arrêter là. La nuit est tombée. Demain, on est reparti. I'm back. Et j'ai reçu ceci. Je vais installer des petites barres. Et je vais accrocher mes extensions parce que... Voilà où étaient mes extensions. C'était dans un tiroir qui était ici. Elles étaient toutes emmêlées et c'était plus du tout possible. J'ai aussi des wigs qui sont ici. J'en ai là, on dirait un peu un film d'horreur. C'était vraiment pas la place qu'elles méritaient. Du coup, j'ai inventé un système. Je sais pas du tout si ça va marcher par contre. On va voir. Mais dans mes plans, ça fonctionne. Ok. Toi, tiens. Oh my god, j'ai tellement pitié de ces cheveux. Attention, verdict. Oui, ça tient. Génial. J'ai pris des petits cintres blancs avec des pinces. Comme ça, je peux mettre mes extensions sur les pinces. Je peux les faire passer par-dessus. J'ai pris tout ça sur Amazon. Je vais mettre les liens dans la barre de description. Oh, en plus, ils sont veloutés. Waouh. Honnêtement, j'ai pas vraiment réfléchi comment j'allais accrocher une wig complète. Et ça fait un peu flipper. C'est hyper flippant. J'ai l'impression d'avoir fait du sale à quelqu'un. Depuis 30 minutes, je coiffe des cheveux. Hi, Booze. C'est tellement bizarre de me revoir en blonde. Hello. Je vais aller voir Vincent comme ça. Ah, c'est trop bizarre. J'avais les cheveux si blancs avant. C'est trop bizarre. C'est trop bizarre. Hein. C'est trop bizarre. On se déshabitue vite. Hein. On était avant, ouf. On se fait là comme ça. Ouais. Merci. C'est actually la wig la plus fancy de tout mon dressing. Un jour, je me teindrai peut-être les cheveux comme ça. Il y a un petit côté Lilou, genre le cinquième élément. Multipass. Multipass. La grande question, c'est où est-ce que je vais mettre toutes ces têtes? Puis c'est super gros ce truc-là. Genre, je peux pas faire un carton de tête. Ça va être un beaucoup trop gros carton. Où est-ce que je peux mettre mes fucking têtes? Problème auquel j'avais pas pensé ça. J'avais fini et tout est tombé. J'ai envie de mourir. Attention, reveal. Tadam. C'est tellement satisfaisant de les voir tout bien rangés par ordre de couleur. J'ai mis toutes mes wigs ici. Là, j'ai mis mes wigs plus originales pour les costumes, ce genre de choses. Ici, j'ai mis toutes mes ponytails. Et derrière, j'ai mis mes extensions. Tadam. J'espère vraiment que ça va tenir. J'ai une question par contre, en termes de rangement infini, j'ai l'impression que je range depuis hier non-stop et c'est l'enfer de pire en pire. Ça ne se range jamais. Pourquoi? C'est quoi le prank? On est mort. Maman! Ça c'est la vie qui se venge parce que j'ai jamais rangé ma chambre quand j'étais plus jeune et ma mère me grondait et je l'écoutais pas. Ok, gros relooking de mes têtes. J'ai mis certains de mes chapeaux préférés ici. Ce petit chapeau là, il est tellement beau. Et celui-là, oh my god. C'est ma petite casquette Dior. How cute. C'est mignon comme ça. Sérieusement, je suis censée mettre ça où? Un legging grosse fesse. L'accessoire indispensable pour avoir une shape de folie. Ouais, je sais pas trop ce que je dois faire de ça. Hein. C'est quoi ce métier aussi, youtubeur? T'achètes des trucs, tu te retrouves avec des trucs comme ça, c'est quoi? Qu'est-ce que je vais dire à mes petits-enfants, moi? Heureusement que je n'aurai pas, hein. Bon les gars, je vous préviens, j'ai pris 10 ans, attention. Tadam! Est-ce que ça me va? Oh mon dieu, j'ai l'impression que c'est la pire chose. On est sur une boule. Ma tête est en boule. Range ta chambre! Je vais retourner voir Vincent. Vincent, j'ai voulu me raccourcir un peu les pointes, mais j'ai abusé. Oh, t'es trop con. T'es vraiment trop con. Hein. Vous vous souvenez, c'est Christine. C'est pas Sandrine? Ah, c'est Sandrine. Ouais, je crois que c'était mon personnage Sandrine. Je les prends super des voleurs. C'est incroyable, imagine, vous auriez la coupe là. Imagine. Tu m'aimerais quand même ou pas? Non. Ah, ok, cool, nice. C'est un champignon. C'est vrai que je suis un champignon. Soy? Oui? Regarde. Oh non. Ah putain, c'est jamais ça. Hein. C'est tellement réaliste. T'as vu, c'est trop bizarre, hein? On dirait une poule mélangée à un... Balai, tu me fais peur. On dirait que je suis ta mère sévère, genre. On dirait la meuf de la cantine qui m'a traumatisée. Ouais, et qui met la purée de manière hyper, genre, violente dans ton assiette. Et j'aurais pu être comme ça dans une vie parallèle. Hein. Je t'aurais renié. Hé, maman. Allô? Oh, mais arrête.
C'est quoi ça? On dirait moi. Là, on tient quelque chose. Pas mal du tout. Yay! J'ai pris le melon, guys. Vincent, j'ai pris le melon. Oh, non, toute la journée, vous allez essayer de vous faire avec et la mettre n'importe où. Laissez-moi tranquille. Oh, oh. Ah, sympa. Eureka! Oh non. Bon, allez, j'ai du rangement. Est-ce qu'on tient un truc ou pas? Est-ce que je lancerai pas une nouvelle trend? J'ai trouvé une frange qui traînait. J'aurais jamais pensé trouver une frange. De profil, c'est mieux, non? Ça donne aussi un vibe assiette de spaghettis qui est tombée sur mon visage. Des petits machins, des petits trucs. Ça, c'est le plus difficile à ranger, les mini trucs qui sont au fond des cartons. Oh, un sneakers. Ok. Ouais, il était vraiment temps de ranger, hein. Et quoi là-dedans? Est-ce que je vais trouver un trésor? Rien du tout. J'ai trouvé quelque chose. Oh, il y a plein de trouvailles aujourd'hui. Oh my god, what a look. Ces lunettes appellent le soleil. Il me faut absolument un 30 degrés là. En ce moment, il fait moins 20. On est sur le plus petit sac à main ever. Tu peux littéralement mettre un objet. C'est pas très utile en soirée, mais pourquoi pas. Ça fait la taille de condom. C'est pratique parce que qui veut voler ce sac à main? Personne. Il est beaucoup trop mignon pour être volé. Il n'y a aucun téléphone qui rentre là-dedans. Si. Les téléphones à clapet. Vous pensez que les téléphones à clapet vont revenir à la mode un jour? Oh, j'espère tellement. Si vous n'avez pas connu ça, vous devez le vivre. Comme le sentiment de déclaper et de reclaper son téléphone. Un magique. Raccroché au nez de quelqu'un. Ça prend tout son sens avec un téléphone à clapet. Tu mets à ton oreille, tu t'embrouilles avec quelqu'un. Clac, tu fermes ton téléphone. C'est tellement powerful, genre tu te sens tellement comme une bad bitch. Votons ensemble pour le retour du téléphone à clapet. Oh. J'ai l'impression que dans ce dressing, le temps passe deux fois plus lentement. Note à moi-même du futur, ranger mes vêtements au fur et à mesure. Le pire, c'est que je vais même pas faire ça. Guys, j'ai réussi à mettre de côté pas mal de vêtements déjà, je suis très fière de moi. J'ai mis de côté plein de petits vêtements à donner ou à mettre sur Vinted. On y arrive petit à petit. Oh, hi. Mon placard à robe noire. Faudrait que je commence à trier ça aussi un peu. Hello. J'ai l'impression d'être dans le film La Belle et la Bête. Elle a une robe un peu comme ça, non? Il faut que je traverse un village avec un petit panier en osier, plein de fruits et de confitures. Elle est trop jolie, cette robe. Dans un des tiroirs que j'ai démonté, il y avait tous ces nœuds. Et du coup, je vais les trier. Oh my god, il est trop joli, ce nœud-là. Je vais les trier et les ranger dans ma petite armoire à côté de mon lit. Je vais mettre les gros nœuds ensemble. Ça, c'est vraiment du DIY et ça se voit. Ça, c'est les petites élastiques. Je vais séparer les nœuds élastiques avec les nœuds broches. Broche, broche. Oh, un col. Ça, c'est un petit col à rajouter sur un top ou un petit pull. C'est trop mignon. Des rubans, plein de rubans. Actually, c'est une astuce pas chère et hyper pratique pour faire plein de petits nœuds. J'ai acheté un rouleau de dentelle comme ça, legit 1 ou 2 dollars. Et nœuds illimités pour les cheveux, pour les vêtements. C'est magique. Tout est trié. Là, on a les nœuds, mes petites carrettes avec mes rubans et un compartiment. Je sais pas trop ce que je vais mettre dedans encore. Et mes petits chouchous. Attention, est-ce que vous êtes prêts pour le grand reveal? Tadam! C'est enfin rangé! J'ai réussi, guys. Après 2 jours d'intense souffrance, 2 jours où les larmes et la sueur ont coulé, on a enfin réussi à ranger ce maudit dressing. Yo, il m'aura fallu de la volonté. Du coup, le gros changement, c'est toute cette partie. On voit toutes mes jupes là maintenant. Oh my god, c'est tellement satisfaisant. Mon petit rangement à extension. Mes placards ici sont enfin utilisés avec mes top basic. Ça fait trop plaisir. Boum. En dessous, j'ai mis toutes mes petites choses importantes, mes étiquettes, mes factures, blablabla. Tous mes élastiques, mes chouchous, mes petits trucs pour les cheveux, je les ai décalés dans la chambre. Et tout est rangé. Et ici, je peux enfin marcher. Yay! Je commence l'année 2022 avec un dressing rangé. C'est obligé que cette année se passe bien. C'est obligé, on n'a pas le choix. Bon, il ne restera plus que installer les dernières étagères ici. IKEA est encore en rupture de stock. J'ai encore des chaussures qui sont un peu trop empilées les unes sur les autres, un peu beaucoup. Et j'ai réussi à me débarrasser de plein de vêtements. J'ai plein de vêtements à donner, plein de vêtements à mettre sur Vinted aussi. Donc on a fait une très bonne chose aujourd'hui. Bye 2021. Je suis optimiste à chaque nouvelle année depuis 2-3 ans. Je sais pas si ça nous porte chance ou quoi. Je suis encore optimiste pour l'année à venir. Je vous souhaite un très beau réveillon, un très beau nouvel an. Et moi je vous retrouve en 2022 pour une prochaine vidéo. Bye.